que événement de diadolo ama odwa zalona mima esogbe eyelo. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, mon tour de mando kota ou ya roi. Mais tiens, encore une autre bébé, tu dis un icheko. T'es pas de moi avec Kalinganje. Découvre ma jonomie, bon me le douane, bémi bak, bémi bak, bémi. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjon sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adjon. Au menu, j'ai un concert. Prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise. Projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire à Adjenia Créative, Neswalk, Bonbon Clat. Oui, mais les hommes l'ont dit, mais pour moi. Et à Tiami. Nouvelle semaine, nouveau jour, lundi 22 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, bienvenue à la une des journaux. Ce matin, le calendrier des faisans annonce une journée estampillée. Ouais, le signal éveille ici ce matin le psaume 9 pour les fidèles chrétiens, la sourate 29 pour les fidèles musulmans, les natifs du signe Gémeaux. Le natif du signe, lion plutôt, sont à l'honneur aujourd'hui. La couleur jaune or va porter de la chance aujourd'hui. Si vous croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. On va parler à présent une des journaux sélectionnée par mon réalisateur du jour, Guillaume Kanri, ce matin, et qui met en première position la primeur. La primeur qui parle, analyse du professeur Alain Babatunde, nouveau code électoral au Bénin. Quand le choix de l'échec devient une stratégie gagnante, exclame la primeur en manchette ce matin. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du CANA, atelier de formation de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, des jeunes béninois à l'école du leadership scientifique, a mis le journal en fausse manchette haut. Ce matin, la guérite qui met porte de casque obligatoire au Bénin. Pourquoi le peuple doit comprendre le gouvernement talon? L'appel de Wassi à Moussa à la population béninoise s'est à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce lundi matin, édition 2024 de la première session ordinaire du Bloc républicain. Le bureau politique adopte de nouvelles résolutions pour 2026 a mis en fausse manchette au Le Canard ce matin. Ici, l'informateur, pour une citoyenneté responsable et engagée, voix citoyenne unie, créée. C'est ce qu'a exclamé Le Canard, l'informateur ce matin en fausse manchette au Le Canard titré pour le respect de la propriété dans Cotonou. Lucas Tropo, d'autres les correspondants de la DST
de moto. Oui, ça, c'est une action noble. Du premier citoyen de la ville de Cotonou, Luc Satondji, à propos, salut Nasiara. Nasiara, pour la promotion du Parti Les Démocrates, Boni Yayi galvanise sa troupe, a mis en fausse manchette pour le journal de Nasiara ce matin. Et politique en manchette, génération à Ivor, grande mobilisation dans le Mono et le Koufo. C'est ce qu'a titré aujourd'hui Nasiara. Le chasseur info qui s'intéresse aux examens de fin d'année, qui parle de quoi ce matin? Démarrage de l'examen du certificat de qualification métier au Bénin ce jour. Plus de 31 000 candidats offrent le CQM. C'est ce qu'a mis le Canard. En page 3, il a laissé les détails. Le Béninois libéré, le vétéran Boubacar Takou Kimé. Première session ordinaire du bureau politique du BR de 2024. De nouveaux engagements pour Bio Tchani et ses cadres. L'intégralité du communiqué final est à retrouver en page 3 du journal. Le Bénin libéré dans sa livraison de ce matin. Les quatre vérités. Première session ordinaire du bureau politique du Bloc républicain de l'EBA prend de nouvelles résolutions. Voici le communiqué final et les résolutions prises. Toujours en page 3 du journal. Les quatre vérités. Vous lirez donc les détails. En page, en fausse manchette, le Canard titré drame sur le lac Nokoué. 6 morts dans le chavirement d'une BAC. C'est ce qu'a mis le journal. En page 3, mesdames et messieurs, les détails sont à retrouver. Du coup, une fois à présent, Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, Karim Ousmane Kananda et la coordination Bogoua-Libori installée. C'est ce qu'a mis le journal. Parrain de la célébration des 13 ans de carrière de l'artiste Simka, Amidou Mama Sambo et Gué la jeunesse de Kalalé, à titre du coin info ce matin. Le leader du jour s'installe pour écrire bavure policière suite à la répression des infractions au code de la route. L'UP le renouveau formule 3 recommandations au gouvernement. C'est ce qu'a titré en manchette ce matin le leader du jour de notre doyen, voilà, Olivier Fronon, j'allais dire tout simplement. Bonjour à vous, c'est René. Lancement de la 4e édition du championnat national scolaire au Bénin. Un pied d'accélérateur sur la promotion et le rayonnement du sport à la base. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Et Félicien Marouton Giron Carin, c'est tous les Sébéanzins de Porto Novo qu'il a procédé au lancement de la phase départementale, justement, hein, sinon pour le compte du département de l'Ouémé, ce championnat scolaire en présence de son collègue des enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle, Monsieur Merounou, et du docteur Simplice Toko de la Santé, avec plusieurs autres experts hein, sollicités pour la circonstance. C'était donc au lycée bien de Porte Nouveau, la fête était belle. Le compte rendu disponible déjà sur les différents canaux de diffusion de National TV. Le potentiel à présent, Guillaume, c'est bon. Affaire vol de paille de garde à vue de remise et de remise en liberté de détenu à Karimama. À Compa, le commissaire Maxime Adidoroué soupçonné de corruption. Les confessions de mise en cause qui révèlent un abus de fonction. L'inspection judiciaire et le procureur attendu pour corriger l'homme en uniforme. Pour une affaire délictueuse de faits présumés d'escroquerie, Abdoulaye Ousmane Traoré arrêté et jeté en prison à Cotonou. Il serait un vice-président du parti Moël Bénin Ami. Le potentiel ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, le journal est bien disponible avec ses détails. Matin libre. Impasse politique au Bénin. Génération Aïvo interpelle 3 groupes d'acteurs. L'information en page du journal le matin libre. Vous allez lire les détails. Le chronomètre à présent, oui, qui dit scandale à la coopérative d'aménagement rural d'Afamin. Une tricherie du président Thierry Alla mise à nu. C'est ce qu'a mis le journal en manchette ce matin. C'est bien sûr le chronomètre. Vote d'une loi d'amnistie au profit de Rekiad Madougou, Joël Aïvo et autres. Le Parlement jouera sa partition, assure Michel Minakombaoun. Michel Minakombaoun, ancien député, ancien maire de la commune d'Apromissérité. Révolution automobile avec l'établissement Nouassé. One Part by CFA Motors s'installe à Porto Novo. Des pièces automobiles de qualité à portée demain, a mis le journal. Mobilité en interquartier dans la commune d'Adjara. Le conseil communal lance l'ouverture de 20 km de nouvelles voies. En fausse manchette bas, le Canard laisse les détails. Le chronomètre, bien évidemment. À présent, le témoin. Sylvain Tandji et Pont, inauguration du pavillon du Bénin à la Biennale de Venise. Le Bénin crée une occasion exceptionnelle de révélation de son art. C'est ce que met en manchette le Canard, le témoin actuel ce matin. Chantier routier à Promissérité
Admiratif, on a togbe à Tefond Djoumi. Merci Patrice Talon. D'accord. Diakpata, élection présidentielle de 2026. Quel candidat pour diriger le Bénin s'interroge Diakpata ce matin à l'annonce de la reprise du transport universitaire. Les étudiants jubilent pour cette avancée significative et sociale. En fausse manchado de Diakpata, cette information est disponible. Le matin, Bénin, 6,4% de croissance économique en 2023 contre 6,3% en 2022. C'est ce que met le journal en premier grand titre ce matin. Et en bas humain, Bénin, fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les résultats disponibles en ligne. Environ 1400 candidats aspirants sélectionnés sur un total de 3482 postulants. C'est le matin qu'il a dit. Le projecteur à présent. Le député Hassan Seyibo au sujet des 8 ans de gestion de la rupture. Sur le plan des infrastructures, le bilan de Talon n'est incomparable à celui d'aucun président avant lui. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Ça, c'est les propos de Hassan Seyibo relayé, le député du Parti Bloc Républicain à l'Assemblée nationale. Lui, c'est là-dessus. En cours. Il reste à l'Assemblée nationale pour dire quoi? Le rapport d'activité du président Louis Vlavono examiné demain. En page 10, vous lirez les détails. C'était bien sûr le projecteur. Il parle de Porte-Novo, oui, mais contractualisation pour la maîtrise d'études au projet de construction de l'hôtel de ville. Les différents plaidoyers du maire Niankoti portent enfin leurs fruits. Le projecteur, c'est ce que lui, il a mis ce matin. Le matinal. S'avirement d'une BAC motorisée au Bénin, 6 morts dans le lac Nokoué. D'autres passagers en soins intensifs. La boussole. Infractions et répressions liées au code de la route. Les idoines propositions de l'honorable Badamansi au président Vlavounou, Hassan et Gounou pour l'apaisement de la situation entre population et forces de l'ordre. C'est ce qu'a mis le journal en premier grand titre. Face à la crise sociale ambiante, l'UP Le Renouveau et le Bloc Républicain peinent à convaincre de leur utilité. C'est ce qu'a mis la boussole. Normalement, c'est fini. Comme c'est bon. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Portez-vous bien. Bonne semaine à vous. Au revoir.